Sur une pierre de basalte noir conservée au musée du Louvre, se trouvent gravées les 282 plus vieilles lois du monde. Elles forment ensemble un recueil, code, nommé en souvenir du roi, qui avait ordonné que ces lois soient inscrites dans la pierre. Ce roi, nommé Hammurabi, sculpté au sommet de la stèle, régnait à Babylone il y a 3800 ans. Découverte en 1901 à Suse, en Iran, cette stèle était censée se trouver dans tous les grands centres de Mésopotamie. Il en aurait donc existé des centaines de répliques, dont seule celle que nous admirons au Louvre a été retrouvée. Cette stèle était là pour rappeler à tous les sujets que le roi Hammurabi était un souverain juste, glorieux, et qu'il administrait son domaine avec vigueur. Le roi Hammurabi explique très bien que chaque citoyen doit pouvoir venir devant la stèle et se faire lire ce qu'il y a écrit et qui correspond à son cas. Et c'est d'ailleurs pourquoi la partie juridique du code de Hammurabi est écrite dans une écriture extrêmement simplifiée. Le texte est écrit en cunéiforme. L'écriture ancienne de la Mésopotamie et les 282 lois rédigées concernent tous les aspects de la vie dans cette région en ces temps lointains. Le droit de propriété, les relations entre les gens, mari, femme, père, enfant, les esclaves, les punitions, les contrats, les dettes, les héritages, le règlement des professions, le vol, la gestion des domaines agricoles et même la magie. C'est sur cette stèle que figure pour la première fois la loi du talion, cette célèbre affirmation qu'on retrouvera dans la Bible, œil pour œil, dent pour dent, qui nous semble aujourd'hui une loi d'une insupportable sauvagerie. Ce qui a fait la célébrité du code d'Hammurabi, dès qu'il a été déchiffré par le père Scheil au début du XXe siècle, ça a été d'y voir apparaître une formulation très lapidaire de ce qu'on appelle la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Shuma awingum ina mar awingim urtapid inshu urhapadu. Si un homme, un notable, détruit l'œil d'un autre notable, il crève un œil, on détruira son œil, on lui crèvera un œil. Shuma awingum shini awingim merishu itadi shinashu inadu. Si un homme, si un notable, casse la dent d'un autre notable de même rang que lui, on lui cassera une dent. Il faut bien voir que du point de vue juridique, c'est un progrès absolument extraordinaire parce que c'est la première fois qu'on établit une proportion entre le châtiment et l'acte commis. C'est-à-dire qu'il faut le comprendre comme si on vous a crevé un œil, vous n'avez pas le droit d'exiger du coupable autre chose que ce que vous avez subi vous-même. Et donc, en particulier, on abandonne à ce moment-là une pratique de justice qui était celle de la vengeance, de la vendetta, où on pouvait se venger sur une personne jusqu'à la mort et éventuellement même sur toute sa famille. Donc, le rôle du roi, c'est de tracer les cadres au-delà desquels on ne peut pas aller. Il y a trois articles sur la femme adultère qui sont extrêmement intéressants parce que ça montre en même temps que la condition des femmes n'est pas quelque chose de parfaitement rose à l'époque, mais que le roi intervient justement pour accorder un certain nombre de garanties. Le premier article, c'est ce qu'on appelle le flagrant délit, c'est-à-dire le mari qui rentre chez lui, qui trouve sa femme avec son amant. Alors évidemment, à ce moment-là, la situation est claire. Donc, le mari est autorisé à faire exécuter la femme et l'amant, en les ligotant ensemble et en les jetant dans le fleuve.
Mais on prévoit que si il fait grâce à son épouse, à ce moment-là, le roi interviendra pour gracier aussi l'amant, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il soit le seul à ce moment-là à être puni. Le deuxième article, c'est que c'est simplement sur une accusation de l'époux, ça ne peut pas se traduire par une répudiation immédiate, c'est-à-dire que s'il n'a pas de preuves, à ce moment-là, la femme doit prêter un serment solennel comme quoi elle n'a pas commis d'adultère. Et puis, le troisième article, c'est toujours sur la femme adultère, mais une femme qui est accusée par la rumeur publique, c'est-à-dire sans que son mari soit au courant ou ne veuille intervenir. Et à ce moment-là, on procède à ce qu'on appelle une procédure d'ordalie, c'est-à-dire qu'elle pratique le jugement de Dieu par le fleuve. Donc elle plonge dans le fleuve, et si on en ressort vivante, eh bien, à ce moment-là, on considère qu'elle est innocente. Alors, pendant longtemps, on s'est dit, bon, c'est pas une épreuve très, très compliquée. Et puis là encore, les archives de Marie nous ont éclairé sur ce qu'est la réalité de la procédure de l'ordalie. Donc, ça consiste à plonger effectivement dans le fleuve, mais avec une grosse pierre attachée au cou, et à accomplir à l'intérieur du fleuve un certain parcours. Donc il faut, sur une certaine distance, nager et ressortir, soit de l'autre côté, soit après avoir accompli ce parcours. Babylone était à cette époque un phare, une cité lumière. Riche, savante, c'était une cité d'architectes, de médecins, d'astronomes, de scribes. Aussi, malgré les aspects les plus brutaux, à nos yeux, de ses lois, elle constitue une avancée de la civilisation en ce sens que l'action des hommes se voit désormais imposer un cadre et des limites. C'est en principe la fin de la loi de la jungle, que Jean de La Fontaine appelait la loi du plus fort, laquelle n'est pas toujours la meilleure. Play it, Mr. Toots.